Ce matin, j'ai décidé de prendre l'autoroute de Normandie pour une petite escapade d'Ovillaise. Entre deux réunions à Paris-Vincennes, je préfère écouter le bruit des vagues que les complaintes à longueur de journée d'Isaac et d'Anthony. Sur la grille de départ du prix du Tabitch, 16 compétiteurs de 3 ans et plus vont se défier sur la PSF et la distance de 1300 mètres. Mario a le 14 ans. Lors de sa dernière sortie dans le quintet du 2 novembre, il a été incapable d'accélérer malgré un parcours sur mesure dans le sillage des leaders. Pris encore trop haut sur l'échelle des valeurs, il n'a aucune marge de manœuvre. Mon tube est le 9, Dragon's Please. Son jockey a vécu un véritable cauchemar dans le quintet de Fontainebleau. Ligoté derrière un rideau de chevaux, il n'a jamais trouvé le passage alors qu'il ne demandait qu'à galoper. Poulain encore perfectible, il a les moyens de réaliser un coup d'éclat pour ses débuts sur le sable. Montocar le 5 Mueva. Il monte en puissance après un break de 6 mois. Sa dernière performance dans un réclamé de bonne facture prouve qu'il est sur la bonne voie. Deuxième de cette épreuve l'an passé, quasiment à la même valeur, l'élève de Václav Luka est prêt à refaire parler la poudre. Le magot est bientôt dans votre poche. Je vous propose un quintet plus, champ réduit, flexi 25. Avec le 9, le 13, le 5 et 2x. Associé à l'As, au 2, au 7, au 12 et au 15 pour la somme de 10 euros. En marchant sur les planches de Deauville, j'ai eu comme une illumination. Comme mes deux compères ne sont pas du matin, j'ai acheté un coq chez un fermier du coin pour remplacer le réveil de leur smartphone qui, soi-disant, ne s'est pas synchronisé avec l'heure d'hiver. N'oubliez pas, si vous voulez toucher un conseil d'amis, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.